Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Summertime Spontless Bouton 2 épisode 2. On se retrouve pour continuer cette map. Alors vous l'avez sûrement dit dans les commentaires pour ceux qui ont gueulé et qui ont vu un peu la vidéo et qui ont fait la map. J'ai triché, hop là. En fait il fallait juste aller là, c'était de l'exploration pure et dure. En même temps c'était évident que c'était de la triche que j'avais fait. Et ça fait voilà, apparaître ce bloc là qui a remplacé mon bout de bois. Donc maintenant je le sais, je ne triche pas. Parce que ça m'avait quand même intrigué, donc j'étais allé regarder sur le net après. Le premier étage on l'a clean, on sait que c'est de la merde. Le deuxième étage on n'a rien fait, à part mourir. Et regarder cette fenêtre. Hop là, on utilise évidemment toujours la même méthode. Non, cette méthode on va l'arrêter d'ailleurs parce qu'elle laisse... C'est toujours de la rotten flèche, ça a peut-être une utilité, je ne sais pas à quoi, mais... Ah, trouvé. Lâche. Ah, j'ai l'achèvement taking inventory. Évidemment, parce que je ne l'ai pas touché avant mon inventaire. Et donc là, je suppose qu'en mettant la hache là-dedans, ça va éclater. Voilà. Évidemment. Donc, est-ce que... Who is Jack? C'est qui Jack? Je sais pas de qui il me parle. A donkey. Je sais pas de quoi il me parle. J'ai trouvé le cristal d'intelligence. Je me sens plutôt con pourtant. Hein. Allez, agilité. Rick, don't worry, no matter what resolve, we celebrate with pizza at the end. Oh, il y a des pizzas à la fin. The donkey race. Larry, so we need money. We have decided to disguise you as a donkey and make you participate in a donkey race for $100. We know you are not the best runner, but the chance of you beating this donkey should be at least 30%. Give it your best try. Donc ils m'ont inscrit à une à un truc et je vais devoir participer parce que j'ai pas le choix. Oh. Hop. Je suis vraiment en train de courir contre un mec. Non, je suis sûr qu'il court même pas. Oui bah non, il court même pas, il y a pas de raison. Congrats, you've done it. You are the winner. Culé. Y'a pas de pizza. Pas de pizza, une patate. You wake up at the bottom of an active volcano. No, you have to get out before it erupts. Ouh, il faut y aller vite. Non, ça m'étonnerait encore une fois qu'il y a un timer, mais c'est pas grave. Aïe! Salut! Non, mais moi j'ai envie de le faire en vitesse. Il faut pas le faire en vitesse. Au calme. Au calme posé. On est au calme, on est posé. On est posé au calme. Ok. Merci. Merci, jeu. Merci. Merci jeu, merci tu, merci vous aussi un petit peu. Ouf. Allez, posez. L'agilité est en moi vite fait. Je l'ai pas dit au bon moment. Il aurait fallu que je le dise avant. Genre, oh l'agilité est en moi, oh l'agilité est en moi, oh l'agilité est en moi. Oh, j'ai failli mourir. L'agilité. Non mais, wow, t'as cru mes jambes, c'était quoi? Y'a un bucket de poulet? Pourquoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est les buckets? Ah, ça c'était l'agilité. Ça c'était l'agilité. Il n'y a évidemment pas d'alternative, hein. On est obligé de passer par là. Secret exit. J'y crois tellement pas. Je touche pas à ça, moi. J'ai pas besoin de ça de toute façon. Je suis bien trop bon. Bien trop, hein, évidemment. C'est négatif, trop.
Elle est trop belle, ça veut dire qu'elle est pas belle en fait. Hein. Ça veut dire qu'elle est, il y a un excès, c'est pas intéressant. Ce film était trop bien, c'est pas cool non plus. Oui, apprenons la langue française avec un stabliché. Avec un stabliché. Bâtard de mur. Y a pas de souci, j'adore manger les murs. Quoi? Ah non, alors là, je porte plainte. C'était injuste. Bon, ok, là, je suis juste nu. Non, les amis, cette année, je ne vous ai pas mis de map de saut. Parce que ça me... Enfin, de vraie map de saut, ça n'est pas une map de saut. Mais il faut quand même que je fasse honneur. C'est pas impossible que je mette une map de saut pour m'entraîner quand même un petit peu. Hein. Mais après. Je verrai, je vais y réfléchir. Vous pouvez me donner vos avis en commentaire. Évidemment, je ne les lirai pas. Car ces vidéos sont enregistrées bien avant leur diffusion. Surtout celles qui arrivent comme ça en mois d'août là déjà, je crois. Je suppose en vue du planning que j'ai fait. Donc théoriquement elles ont été enregistrées en juillet. Bon, fin juillet mais quand même. Enfin fin juillet. Mi-juillet. Je ne sais pas. Ah oui, on est mi-juillet. Enfin bref, on s'en fout. Qui s'en fout, lève la main. T'as levé la main. Bon alors, je commence à en avoir marre. Je me demande si je vais pas... Voilà, attendez, je me concentre. Je me demande si je ne vais pas céder à la sortie facile. Mais ça pue le... Non, ça pue trop le piège. Alors que une fois que j'ai passé... En fait, c'est les premiers sauts qui sont durs. Et après, c'est doigt dans le nez, finger in the nose. Oh, j'ai fait une feinte à mon corps. Secret exit, elle est là. Mais... Non, j'y crois pas. J'y crois en vrai pas une seule seconde. C'est où que je suis mort tout à l'heure? Je vois pas ce qu'il y a de dur dans la deuxième, dans la suite. Ah, c'est pas fini d'ailleurs. Ouais, il aurait jamais mis le mappeur une sortie aussitôt. Sauf s'il s'est dit, ah, ils vont se sentir plus malins que tout le monde, ils vont se dire, oh, j'y vais pas, c'est un piège, lol. Et en fait, ce sera pas un piège. Dans ce cas-là, ce serait bâtard. Wait, that was no volcano, that's my backyard. Well, from where I drink water daily, that's probably why I always burn my tongue. Ce n'était pas un volcan, c'était le puits dans lequel je puise l'eau que je bois tous les jours. C'est peut-être pour ça que je brûle ma tongue, cette langue, je crois. Ok, on doit aller dans notre maison. Et vite, parce que sinon on n'aura pas de bonbons. Ok. Là, je suis pas dans les temps. Là. On va vers ce bout de terre. Dès qu'on a pas atterri au sol, voilà, hop. Je me suis fait troll. Je viens tout simplement de me faire troll. Mais allons-y, allons-y. Il n'y a pas de soucis. Nos soucis, nos soucis. J'apprécie. Je me vengerai. Cette map, c'est de la merde. Hop là, allez. Ah, j'aurais pu aller sur la gauche pour avoir le speed du début. Ah, ça je l'ai déjà fait. Dans ma vie. Esquiver des toiles d'araignée comme ça. Try Again. Try Again, c'est une série qui est très bien. Et qui est finie. Hop. Ok, cette fois-ci les amis, on est optimisé. On maximise nos chances de réussite en faisant hop là, in the bucket. Hop là, on remonte. On repart, on longe, on part ici. On essaie d'accélérer dans l'eau. On accélère ici. On passe là. Ah, on est passé. Allez, yeah, I made it in time. Et on a réussi le troisième challenge.
Maintenant, on va prendre le challenge de force. Oh, c'est trop stylé les haltères qu'il porte. Je trouve ça trop bien fait. Pardon. On va devoir se battre. Il faut se battre. 15 kilos. 15 kilos. Et la barre fait combien? Attends, next. Le prochain truc qu'une sorbitcher devra faire, c'est porter 15 kilos pendant 5 secondes. White what? Il can't even pick up. Il ne peut pas porter ça. C'est la première fois que je vois quelqu'un d'aussi mauvais. Voici un conseil. Si vous essayez de faire un tournoi professionnel, vous devez d'abord vous entraîner. Ah, quel loser. Bienvenue dans mon dojo. Mon nom est Kizagonya Kizumi Yukayana, mais vous pouvez m'appeler Yu. Je serai votre samouraï, aussi appelé votre entraîneur personnel. Vous devez d'abord tuer les Devil Sheep. Il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de blague raciste, genre je dois tuer le noir, c'est ça hein. S'il y a une blague raciste, ça va mal se passer. Je ne tolérerai pas de racisme sur ma chaîne. Attention. Toi, je te laisse pour la fin. La technique étant très simple, il lâche la plaque de pression quand je l'étape, donc lui, il va rester en vie. Well done. Allez, tu restes en vie. Ah. Ok. Il s'est foutu de ma gueule encore une fois, mais c'est pas grave. Allez. Hop là. Il se fout tout le temps de ma gueule. Hop là. Je devais faire hein, au cas où vous n'avez pas compris. Ok. Ok. Et hop là. Je devais faire le plus vite possible. La piñata, elle est morte. Voilà l'épreuve d'après. Je vais faire le plus vite possible une cachette, en fait. Task 5, The Blindness. Je devais faire une cachette pour échapper à la pluie de TNT. Il s'est foutu de ma gueule à la fin. Excusez-moi. Oula. On voit strictement rien. Mais on court. Ok. Je ne sais pas pourquoi on va là-bas. On a réussi. On a réussi. On ne sait pas comment ça se fait, mais on a réussi. On est où? Ah, je suis nobby ready. Hein. Hey. Bon bah j'ai eu l'objectif. J'ai eu l'objectif de manière totalement hasardeuse. Et il me reste le dernier objectif à aller récupérer qui est caché quelque part ici. Qui est exploration. Qui n'est pas ici mais bien sûr on le sait qu'il n'est pas ici dans la fontaine. Car on a déjà cherché sur le cul de ce truc. Nope. Là dedans il y avait quoi? Ah oui, m'en rappelle. On va aller dans ce petit village tout mignon. Qu'on va aller payer. Yippee. Hop. I hate Donald. Rien à foutre. Ta maison est moche. Merci. Suivant. C'est qui lui? C'est Jim. Ok, Jim. Hey, I heard you like to earn some money. Me and Perry are thinking of robbing the bank. If you'd like to join us, you should contact Perry himself. He's a smart fella. Il me propose d'aller braquer une banque. Normal. Ça ne choque personne. Ah, ils ont fait un petit accès sous leur truc et tout. Et je pense que je vais devoir d'ailleurs faire ça. Ça c'est Kate. Salut Kate. What's up, biatch? Why are you visiting random houses? This ain't Pokémon. C'est drôle ça. Il dit, pour ceux qui... Toujours pour les mondes anglophones. Mais pourquoi tu visites des maisons aléatoires? On n'est pas sur Pokémon ici. Patrick's Bookshop. No one cares.
Traceable machin donc. Salut. Ok, merci, bonne journée. Rien de caché ici. Ah mais si. Bank backdoor, place key here. Ah, il faut que j'aille chercher la clé. Mais sinon j'ai trouvé l'accès. Perry. Did Jim send you there? Fair enough. Then we should stop wasting time. There is a secret lever in Sam's house. Sam. Putain. Sam. I love playing with dogs. What? Comment ça, I love playing with dogs? Tu dois pas dire des choses comme ça. The reading place. Attendez, je vais vérifier que c'est pas le truc qu'il y avait derrière. Nope. The reading place est maintenant open. Et the reading place, où es-tu? Où es-tu, petite reading place? Ah, c'est le bookshop. On va devoir évidemment se faire tous les coffres à la recherche de la clé de merde. Ça fait mal aux yeux un peu. Magma crime. On doit se sentir puissant à avoir récupéré le magma crime ou pas? Je prends aussi un petit peu de light grey dye. Même si je ne sais pas à quoi ça pourrait servir. Hop là. Et maintenant il va falloir se faire tous les PNJ pour voir qui est-ce qui échange chaque de la magma crime contre quelque chose d'autre, c'est ça? Bonjour. Vous êtes la banque que je compte braquer. Salut. Ok. Sam, tu m'échanges? Non, toi tu m'échanges rien d'intéressant. Méchant Sam. Hop. Salut, non merci. Donald. Eh. Voilà. On a récupéré notre clé. Et donc maintenant on va aller braquer la banque, bitches. Et il ne fallait pas cheater. Il faut bifaire. Avant bifort. Allez, on passe derrière la banque. Hop. Salut. Ah, il n'y a pas que des livres en haut. Rien dans les fours, rien dans les fours. Non, il y a le coffre ici de toute façon. Salut. Je suis en train de faire le tour de votre maison pour vous dérober votre argent. Hop là. Et alors là, on se dit, mais qu'est-ce que donc on va bien pouvoir donc faire donc? Oh là là. On dit oh là là, oui, oui. On dit oh là là, et j'ai une petite idée. Et pas de plus commune. On va aller se faire toute leur maison de merde et chercher ça. Et faire ah. Nope. Ah, ça marche mieux. Et maintenant qu'on a la pressure plate, eh ben on a gagné, je crois. Je crois. Faut dire deux fois, je crois. Sinon on croit pas trop. Y'a quoi là-bas? When creating the map, a chunk of the map gets corrupted and unfixable, so only go there when you have got 5 gold ingots. Ok, j'avais les 5 gold ingots. Placed gate key here. Ok. Ah, c'est cool, il est déjà placé le gate key. Ah, donc j'avais pas besoin de faire la pression en fait. Hein. Mais je l'ai fait et ça a marché. Hein? Salut! Find the hidden button. On n'a rien le droit de casser, génial. Ah, il était bien caché.
Donc le niveau exploration évidemment continue après avoir trouvé les trucs sur la map. Il reste des choses à faire ici. Hop. And hop. Subtil. Alors on a fait les maps agilité déjà. Et c'est pas grave, on refait des maps agilité. Voilà. On a du beurre sous les pieds évidemment. Parce que sinon c'est trop facile. Si on enlève le beurre et l'argent du beurre et le cul de la crémière, il reste quoi? Il reste quoi? Je vous le demande. La France vous le demande. Hop là. Nickel. And that's it. Ok, j'avoue, je voulais juste rentrer dedans. Ah, c'était sale comme phrase. J'adore. Ah, c'est l'île dans laquelle on travaille. Oui, on travaille là-bas. Nous, on est des mecs comme ça. Ici, y a-t-il une clé? J'ai essayé de casser le sol, j'avoue. J'aime bien parce que j'ai dû passer devant et j'ai rien remarqué. J'ai rien remarqué, même. Ah bah oui, évidemment. Évidemment. On doit monter là-dessus. Et on doit aller ici. Et on doit aller ici. Et on doit tomber là. Classico classique. On se casse. J'ai vu le bouton là, je rêve pas. Oui. And you have complete our quest. We now allow you to press the button. Yes, I did it. I was finally able to press the pointless button. I wonder that happens. The real map will finally start. I've spent all my life just to reach this button. Bon, évidemment, le bouton va ne servir à rien et je pense que la vidéo va s'arrêter après cet appui sur le bouton. Car c'est normal, attention. The end, it's the end of the world as we know it. C'est map by Zv... Oui, j'ai appuyé deux fois, excusez-moi. Map by Zv2. Donc vous pouvez le retrouver sur sa chaîne YouTube. Thanks for playing and leave some feedback. Bla 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 bla. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager. Et on se dit à très bientôt. N'hésitez pas à me retrouver aussi sur les réseaux sociaux. C'était Ian Sterblicher. Oh yeah. Allez, bye bye.